est-il de l'inventeur du manant Covid? Eh bien, l'honorable pharmacien Bata Mupesa, il est promoteur et président du conseil d'administration du centre de recherche pharmaceutique de Louzi, Serpel en sigle. Il est pharmacien de l'université de Louvagnon, promotion 1971, maître en sciences pharmaceutiques de l'université de Montréal au Canada, spécialisation pharmacien analyste et pharmacien d'industrie, 1977-1980. Fondé le vendredi 19 décembre 1980 à Louzi, dans le Congo central, le CERPEL est une institution privée de recherche. Ancien boursier de l'Organisation mondiale de la santé, Université de Montréal, le promoteur a exercé des fonctions suivantes. Professeur du cours de fabrication de médicaments et directeur de l'école d'assistant en pharmacie de l'Institut d'enseignement médical, IEM, en sigle, de Kinshasa de 1971-1977. Président de l'Association des pharmaciens congolais, membre du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, chef de division et de la division de contrôle des médicaments au ministère de la Santé, directeur de la direction de la pharmacie et médicaments d'Impair au ministère de la Santé, président de la Commission pharmaceutique nationale, parlementaire et président honoraire du groupe parlementaire Congo GPK, et également président du pouvoir organisateur et grand chancelier de l'Université Congo ICA en sigle, président de l'Association congolaise Esperanto et Democratia Congolanda Esperanto Associo et Tokea. Il est l'inventeur de plusieurs médicaments, dont le Manadiar, le Manalaria. Il est également l'auteur d'une centaine de publications, ouvrages et documentaires. Signalons également l'édition Akikongo, les deux volumes par le même Batangou sur le prophète Simon Kimbangu, écrit par son secrétaire exilé avec lui, Thomas Nkunku Kalungiko. Volumes édités respectivement en septembre 2019 pour le premier et en février 2020 pour le second. Une traduction a finalement été éditée et publiée, bien entendu en espéranto, le 30 juin 2020, jour anniversaire de l'indépendance. Étant donné que le prophète Kimbangu a été le premier à annoncer l'indépendance de la République démocratique du Congo. Manacovid est un médicament antiviral spécialement anti-Covid-19 à base de quercétine, entre autres, élaboré au Centre de recherche pharmaceutique de Louzi, Serpel en sigle, Congo central, République démocratique du Congo. Le Centre de recherche pharmaceutique de Louzi a été fondé par le pharmacien Batangou Mpesa, chercheur phytothérapeute, en 1980.